Vous êtes ici à la bibliothèque La Temporaire. Cette zone, c'est l'accueil. C'est là que les bibliothécaires vous accueillent. Vous pouvez également effectuer les retours de documents, les emprunts. Alors, dans cette bibliothèque, on a aussi la possibilité de s'installer pour travailler sur place. La salle de lecture comprend environ une centaine de places, un peu plus, places de travail. On continue la visite. Donc à la bibliothèque, vous avez également la possibilité d'accéder au PC. Il faut juste y accéder grâce à vos identifiants numériques de l'université. Ça vous sera expliqué à la rentrée. Et on a également un pôle impression qui, là encore, avec la carte d'étudiant, qui servira de carte d'impression, vous pourrez imprimer, scanner et faire des photocopies. Au préalable, il faut quand même aller sur easly.fr pour alimenter le compte, puisque c'est une carte monétaire. Et de toute façon, on est là pour vous expliquer les choses si besoin. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce qui vous sert pour l'emprunt des documents, là encore, c'est la carte d'étudiant qui sert de carte de bibliothèque. Et ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que les documents, la majeure partie des documents de l'Université Bordeaux-Montaigne sont empruntables, mais sur la base de la consultation du catalogue Babor Plus et parfois de la réservation. Donc là, c'était deux espaces accessibles au public. Il y a un espace qui le sera à la rentrée. Il s'agit en fait d'un accès aux documents que vous pourrez consulter directement en rayon en venant ici, et sera également accessible un point presse là-bas au fond. On est encore un peu en mode chantier, mais ça sera prêt pour le mois de septembre. Et pour finir, un petit fond de bande dessinée que vous pourrez également emprunter. On espère que la rentrée va bien se passer, on fait tout pour, et surtout n'hésitez pas à nous solliciter, nous les bibliothécaires, on est là vraiment à votre service pour que ça se passe au mieux. Bonne rentrée.